C'est fini pour nous tous. Comment ça? Ben les résultats sont catastrophiques. C'est pas possible. Faut avertir tout le monde. Depuis cette découverte, le plastique n'a cessé d'envahir et de tuer. Et au fait, ça va par rapport à l'interview demain? Ouais, je stresse un peu. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'as qu'à mais parler des résultats. Mais je sais pas quoi dire. Ah ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, sur M8, dans Touche pas mon pote, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui nous touche tous. Le réchauffement climatique et la pollution plastique. Avec Monsieur Berger. Bonsoir à tous, je m'appelle Gabriel Berger et je suis le prochain candidat à l'élection présidentielle de cette année. Et avec Madame le Docteur Gontier. Bonsoir, je suis Gontier Marie, scientifique pour l'ONU. Je fais des recherches sur le changement climatique et sur la pollution. Et qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Nos recherches nous montrent que la situation se dégrade de plus en plus et que si on continue comme ça d'ici 5 ans, il n'y aura plus d'humanité. Vos recherches ont été vérifiées par qui? Et par les scientifiques qui travaillent avec les moi. Les scientifiques qui travaillent avec vous et qui ont été payés par les mêmes personnes qui vous payent vous. Pour moi, il y a beaucoup de morts qui sont liées à ça. Non, non, madame, vous ne pouvez pas dire qu'il y a beaucoup de morts liées à ça. Il y a beaucoup de morts liées à beaucoup de choses, liées aux problèmes d'accident, liées au cancer. Il y a beaucoup de morts pour tout, ça ne veut rien dire. Mais sauf que là, ces dernières années, la hausse des mortalités a été causée par le changement climatique. Mais qui nous dit ça? Nos recherches. On a fait des recherches qui prouvent que dans 5 ans, si on ne fait rien, l'humanité va s'éteindre. Mais Madame, l'être humain s'adapte et s'adaptera jusqu'à la fin des temps. Mais si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à aller faire vous-même les recherches. Mais c'est votre job. Désolé, cher ami, mais on me dit à l'oreillette qu'il faut arrêter. Merci d'être venu ce soir avec moi pour présenter... Elle avait raison, j'aurais dû l'écouter. J'étais là depuis le début. En 2019, 370 000 décès dus à la pollution de plastique. Soyons responsables, tous ensemble.